invite simplement à chanter le premier chant. Chante Alléluia. Jésus, Fils de Dieu, étant entré dans le temps de l'épiphanie, fête de ta manifestation, de la manifestation de ta gloire divine. Nous nous souvenons qu'à la crèche de Bethléem, les mages sont venus t'apporter leur richesse, leur présent, mais que c'est toi seul qui les a comblés. Ô Christ, notre vie est placée sous ton étoile, tu nous illumines de ton éclat, tu nous donnes de contempler ta splendeur et tu fais de nous des porteurs de lumière. Gloire à toi, Jésus. Chante Alléluia, mon Seigneur. Chante Alléluia, mon Seigneur. Chante Alléluia, mon Seigneur. Chante Alléluia. Jésus, ce soir, comme les mages, nous t'apportons l'or, l'encens et la myrrhe de nos vies. À travers l'or de nos vies, nous confessons ta royauté, ô roi doux et humble de cœur. En même temps, à travers cet or, nous t'apportons tout ce que tu as mis de précieux en nous, pour que par ta grâce, nos talents et nos dons enrichissent les autres, pour ta gloire, Jésus. Et à travers l'ensemble de nos vies, nous t'adressons notre prière. Nous te disons notre aspiration aux choses d'en haut et nous confessons ta divinité. Ô Jésus, vrai Dieu, vrai homme, visage de Dieu tourné vers nous. Aussi à travers cet ensemble, nous te demandons de faire de notre vie un témoignage, la proclamation que tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Puis à travers la myrrhe, nous confessons ta mort sur la croix pour notre salut. Ô Christ,
toi le crucifié, ressuscité. Et en même temps, à travers cette mire amère de nos vies, nous t'apportons nos douleurs et nos peines, nos épreuves et nos deuils, tout le poids de la semaine passée, nos fardeaux, afin que dans la force de ta résurrection et par la consolation du Saint-Esprit, tu nous relèves, tu changes nos pleurs en cris de joie. Seigneur Jésus, alléluia. Acclamons le Seigneur. C'est dans la joie et la clarté de notre Seigneur, doux et humble de cœur, que je vous salue ce soir, que je vous accueille. Bienvenue tout particulièrement à Courte et Daniel. Courte qui apportera le message « Enfin ». Vous savez que pour les 30 ans, malheureusement, il n'a pas été disponible à cause de soucis de santé. Heureusement il est rétabli depuis, il a eu le temps de se rétablir et on est reconnaissant qu'il soit là ce soir pour apporter le message que le Seigneur avait mis sur son cœur, a mis sur son cœur pour notre communauté. Amen. Alors ce soir quand je préparais, j'avais à cœur ce texte qui dit « Lève-toi, resplendis car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. » Et j'avais à cœur de prendre simplement ce temps où peut-être tous on peut se lever et encore accueillir cette parole, parce que elle est donnée d'abord pour Israël cette parole, mais elle est aussi donnée pour chacun d'entre nous. Et j'avais à cœur simplement de le proclamer ensemble. Explore.
devant toi, la simplicité de nos cœurs, de ce que nous sommes, sans rien te cacher. Et nous voulons accueillir ta lumière, accueillir ta gloire, accueillir ta présence, dès maintenant. Merci pour ta présence qui bouleverse nos cœurs, qui bouleverse nos vies. Viens nous toucher encore ce soir. Merci pour tes promesses, Seigneur, sur chacune de nos vies. Merci parce qu'elles ont été scellées par le sacrifice de Jésus, par l'œuvre de la croix. L'œuvre de ton Esprit Saint sur chacun de tes enfants. Ce soir, je veux être debout devant toi, debout en ta présence, pour t'accueillir, toi, le roi des rois. Ta lumière arrive, gloire l'éternel se lève sur toi, se lève sur toi. Thank you.
accueillir notre roi et déclarer qu'il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Seigneur, Seigneur, gloire, alléluia.
Merci Seigneur pour ton Saint-Esprit que tu veux poser sur chacun d'entre nous. Et quand Jésus a commencé son ministère, il a cité ces paroles d'Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Merci Seigneur pour la puissance de ton esprit qui donne la joie. Merci pour la puissance de ton esprit que tu répands sur nous pour nous consoler, pour nous guérir, pour donner un diadème, pour donner un vêtement de louange. Je te prie de nous revêtir, Seigneur, ce soir, de ce vêtement chacun. Je vous invite à vous lever si vous n'êtes pas trop fatigué. Ou le chant suivant qui dit « La joie du Seigneur est ma force ». Pour guérir ceux qui ont le cœur.
vol d'un verbe de louange. Je suis devenu le temple où sa présence demeure. J'entends son rire qui chasse mes peurs. J'apprends à danser dans mes détresses, trouver sa puissance dans mes faiblesses. Fort de mes nuits, je me réjouis encore, car sa tendresse fait lever l'aurore. Joie du Seigneur est ma force, joie du Seigneur est ma force. Quel qu'il soit demain, je ne crains rien, car la joie du Seigneur est ma force. L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Esprit du Seigneur. Debout, c'est sa joie qui nous tient élevés contre vents et marées, c'est sa joie, sa seule joie. Thank you.
La vie du Seigneur, c'est une vie débordante, généreuse, surabondante. Laisse-le ce soir élargir ton cœur, pouvoir accueillir davantage de sa vie, de sa bonté, de sa générosité. Que ton cœur ce soir puisse s'ajuster un peu plus au sien. Que le souffle de son esprit vienne élargir tout ce qui en toi a besoin d'être élargi. Pour que tu puisses respirer au grand air, l'air de l'esprit. Merci Seigneur pour cette œuvre d'élargissement que tu veux faire dans nos vies. Pour cette œuvre généreuse que tu veux accomplir dans nos profondeurs. Nous accueillons ta tendresse infinie ce soir. Nous accueillons ta bonté toute puissante et ta miséricorde victorieuse. Bienvenue Seigneur, Père, Fils et Saint-Esprit. Merci pour le Saint-Esprit qui répond à toutes nos prières. Merci pour ta présence qui nous comble au-delà de tout ce qu'on peut penser ou imaginer. À combien plus forte raison le Père donnera le Saint-Esprit à celui qui le demande. Merci Seigneur parce qu'il n'y avait pas de cadeau plus grand. Tu nous l'as fait, le don de ton esprit. Tu nous as scellés de ton esprit, Seigneur. Afin que nul ne puisse se glorifier, mais que nous puissions saisir que c'est ta force. C'est ta grâce. C'est pour glorifier Jésus. Pour glorifier le Père. Thank you.
Merci Père de préparer nos cœurs à recevoir ta parole de vie, ta parole de vie, ta parole d'amour, ta bonne nouvelle pour nos vies. Continue de préparer nos cœurs, d'élargir nos cœurs aux dimensions de ton amour ce soir par ton Saint-Esprit. Amen. J'avais à cœur que nous puissions accueillir cette promesse du Seigneur de préparer nos cœurs, d'élargir nos cœurs aux dimensions de son amour, d'élargir nos vies de façon à pouvoir accueillir sa générosité débordante par un geste tout simple, en allant être source de bénédiction pour les autres, en nous déplaçant dans l'église, en allant si possible vers des frères et des sœurs que vous ne connaissez pas, pour les bénir au nom du Seigneur, pour leur souhaiter une nouvelle année bénie en son nom. Je propose de faire ça tout de suite, très rapidement. Laissons-nous, comment dire, mettre en mouvement par l'Esprit du Seigneur.
le Seigneur. Parce que là, j'ai rien qui correspond à la demande. Seigneur, nous te rendons grâce pour la parole que tu as posée sur le cœur de Kurt. Remplis-le encore de ton Saint-Esprit, afin qu'il puisse libérer pour nous, en ton nom, les trésors, les richesses, les merveilles de ta parole dans nos vies. Dans le nom de Jésus. Amen. Bon, je pense à un truc pour moi. Nous, c'est tellement évident, mais tout le monde sait ici qui est Kurt. Ça va? S'il y en a un qui ne sait pas, qui sait qui sorte? Non. On est... Merci beaucoup. D'habitude, on dit bonne année. Hein? Dans le texte que nous avons lu tout à l'heure, que ce soit une année de faveur. D'autres textes, d'autres traductions disent que ce soit une année de grâce. Et le Christ a été oint pour nous apporter une année de grâce. Alors si nous avions compris cela, nous aurions déjà tout compris. Merci d'être avec vous ce soir. Merci de pouvoir partager. Je ne sais pas trop ce que je vais partager avec vous, il y a tellement de choses. En fait, je voudrais dire, je voudrais commencer par la fin, pour une fois, non pas par le début. Dans le livre des Nombres, au chapitre 6, il est dit que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël, de Saint-Nicolas, de Strasbourg, et où que vous vouliez, du monde entier. Commencez par la fin, parce que le plus souvent, on lit cette bénédiction à la fin du culte, à la fin de la veillée, pour s'en aller dans le chemin de tous les jours.
Pourquoi à la fin seulement? C'est seulement à la fin que vous voulez être béni? Moi, c'est maintenant que je veux être béni. Pas vous? Alors, je me suis dit, mais là, la bénédiction, et je voudrais vous parler un peu de la bénédiction ce soir. La bénédiction, elle commence maintenant. Par cette année que l'Esprit-Saint a commencé de préparer pour nous. Je voudrais vous parler ce soir un tout petit peu de l'histoire de l'Esprit et de la bénédiction. Oh, c'est un sujet très, très vaste. On va rester dans notre contexte. L'histoire. J'aime beaucoup l'histoire. Et pas toujours simple, l'histoire. Quand vous regardez ce qui se passe dans le monde, à Gaza, en Israël, en Ukraine, dans beaucoup de pays d'Afrique, on n'en parle même plus, hein, mais c'est tout aussi horrible. Quand on voit ce qui se passe autour de nous, les violences, tout ce que les masses médias nous transmettent jour après jour, tant d'histoires qui font souffrir, mais aussi histoires de rupture, histoires de maladies. Je vais m'en arrêter là parce que ça pourrait devenir déprimant. Et pourtant, c'est notre histoire. Saint Nicolas avait 30 ans. C'est déjà dépassé maintenant. Hein? Ouais. Heureusement. Il y a 30 ans à peu près, je ne sais pas si c'est exactement 30 ans, nous étions, oh, peut-être les anciens parmi nous s'en rappellent, nous étions réunis à Grafenstaden pour une réunion des pasteurs du renouveau charismatique. Comme nous en avions régulièrement, tous les mois, on se retrouvait une journée pour jeûner, pour prier, pour adorer le Seigneur, pour chercher sa voix. Et je me rappelle, ce matin-là, nous étions rassemblés et il y a un de nos frères, l'ancien pasteur René Oswald, qui est auprès du Seigneur maintenant, qui arrive et il était en colère. Et on lui dit, mais qu'est-ce qui ne va pas, René? Il dit, ça ne va pas. Pourquoi ça ne va pas? Bien, en arrivant ici, j'ai passé devant Saint-Nicolas. Ah oui, et alors? Eh bien, à Saint-Nicolas, il y avait des grandes affiches. Exposition des instruments de torture dans le monde. Ah. Oui, et qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse? On va prier dessus. Il dit non, on ne va pas seulement prier dessus, on va faire quelque chose. Moi, je suis sûr que le Seigneur, il a un projet pour cette église. À l'époque, nous faisions des réunions du renouveau dans les paroisses, le soir, une fois par mois. Et puis, c'était très, très béni. Et ce jour-là, René, il a eu une révélation. C'est là que je veux vous bénir. Alors, on était un peu dans la suspicion. Il dit, tu te rends bien compte que ce n'est pas possible. Que veux-tu qu'on fasse? Il a dit, je veux que nous fassions de Saint-Nicolas un lieu du renouveau où nous pouvons adorer le Seigneur, nous pouvons le bénir, nous pouvons pratiquer les dons spirituels et nous pouvons participer à la bénédiction de notre Église en apportant ce que le Seigneur nous a donné. Nous n'y croyions pas. À l'époque, on se disait, c'est pas possible. L'Église n'acceptera jamais un truc pareil. Nous étions bien incrédules. Et même pas un an après, nous étions dans cette église. Je n'ai pas le temps ce soir de vous raconter toutes les péripéties, mais Dieu avait préparé le terrain. Il avait préparé les hommes, les femmes. Il avait préparé ce lieu qui nous a été accordé pour vivre ce que le Seigneur nous mettait à cœur de vivre, parce que c'est là que le Seigneur voulait nous bénir. Tout à l'heure, Pierre me disait, tu vois, ça fait 30 ans, mais ça n'a pas beaucoup changé, là, les murs, hein. J'ai dit, non, ils n'ont pas beaucoup changé. Il y a des beaux tableaux, heureusement, hein. Il y a une belle décoration, il fait bon chaud, c'est bien. On est bien, non? On est bien, on est à l'aise. Mais les murs n'ont pas beaucoup changé. Et peut-être que c'est une grâce. Mettre tout l'argent uniquement pour avoir de beaux murs et une église vide, ça ne sert pas à grand-chose. Avoir une église qui n'est peut-être pas tellement belle, pourtant elle est belle, mais où il y a de la vie, on vit la guérison. Et j'avais envie de vous raconter une deuxième anecdote de ces 30 ans que nous avons vécu. Il y en aurait d'autres, mais au début,
quand nous avons célébré le Seigneur ici, nous avions un homme de la rue, Michel. Vous vous rappelez, les anciens, Michel. Ah, il était là tous les dimanches soirs, complètement rond, complètement saoul. Et il sentait bon. Et il voulait toujours se mettre entre les demoiselles et les dames. Alors il se faisait le vide autour de lui. Parce que là où il se levait après, il y avait des flaques de différentes choses. C'était une puanteur. Alors au début, on devait apprendre à les accueillir. Parce que le Seigneur, il aime tout le monde. Et ce n'était pas simple. Et un jour, j'en avais marre. C'est vrai, ça m'était aussi arrivé, hein. J'en avais marre et j'ai dit, mais j'ai été voir Michel à la fin de la soirée. Et je lui ai dit, Michel, mais pourquoi tu viens ici? Pourquoi tu ne vas pas ailleurs? Et Michel me répond, au bout d'un moment de réflexion, il dit, ici je viens parce que ce n'est pas beau. Et au bout d'un petit silence, il rajoute, c'est comme moi. Ici, je viens parce que c'est pas beau. Et c'est comme moi. Il avait été dans beaucoup d'églises rénovées et on ne le gardait pas parce qu'il salissait tout. Et ici, on ne l'a jamais mis dehors. On a dû le corriger, oui. On n'a pas toujours réussi. On n'a pas toujours eu assez d'amour pour lui. Mais ce n'est pas facile. Mais ce lieu, il a une histoire. Une histoire qui est née dans le cœur de Dieu. Et cette histoire continue depuis 30 ans et elle va continuer encore longtemps parce que ce n'est pas notre histoire. C'est l'histoire du Seigneur pour nous. C'est l'histoire de l'Esprit Saint pour nous. C'est l'histoire de la tendresse de Dieu pour chacune de nos histoires. Alors je voudrais vous lire un autre petit texte que vous connaissez bien, un texte d'histoire. Avant de m'y arrêter un petit peu, dans le livre de la Genèse, au chapitre 32, une histoire que vous connaissez, je lis juste un extrait, c'est l'histoire de Jacob. Jacob demeura seul. Alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore, et voyant qu'il ne le maîtrisait pas, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche, et l'emboîture de la hanche se démit pendant qu'il luttait. Et il dit, laisse-moi aller, car l'aurore se lève. Et Jacob répondit, et on va mettre le texte. On ne va pas l'oublier. Je ne te laisserai pas aller avant que tu m'aies béni. Je ne te laisserai point aller avant que tu m'aies béni. Et Jacob dit, quel est ton nom? Et il répondit, Jacob. Et il dit encore, ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec les hommes, et tu as été vainqueur. L'histoire de Jacob. Pourquoi je lis l'histoire de Jacob? Oh, j'aurais pu lire une autre histoire. Parce que j'avais envie, ce soir, de relier la bénédiction à notre histoire. Oui, quand vous ouvrez la Bible, vous l'avez déjà ouvert au premier chapitre de la Bible? Ben, les deux premiers versets sont significatifs. Les deux premiers versets, c'est qu'il y a un désordre, ou un chaos, ou un tohu-bohu, suivant comment vous voulez le traduire. Il y a un désordre profond dans la création, l'histoire du monde. Et pourtant, il y a un message d'espoir, dès le début de la Bible. Et l'Esprit de Dieu se mouvait, bougeait au-dessus de ce désordre. Partout où dans une histoire il y a désordre, difficulté, il y a l'espérance que l'Esprit de Dieu veut agir. Que ce soit dans l'histoire de notre vie, même quand parfois je ne comprends pas, quand parfois on se demande mais qu'est-ce qu'on peut faire, mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai pas bien fait, il y a toujours une promesse. La promesse que Dieu n'est pas bien loin. Dans l'histoire de Jacob, dans l'histoire de la création, dans mon histoire, dans ton histoire. Oh, elle n'est pas toujours simple, notre histoire. Mais il y a toujours une promesse.
L'histoire de Jacob, elle commence par une promesse de Dieu. Un jour, quand Jacob est en route, en train de fuir son frère, eh bien, il s'endort et il voit une échelle qui vient du ciel et les anges descendent et montent. Et là, Dieu vient lui faire, non pas une visite, mais il vient lui faire une promesse. Je serai avec toi tous les jours. Ta descendance sera comme le sable de la mer. Et toute l'histoire de Jacob, qui est une histoire trouble, qui est une histoire de mensonge, qui est une histoire de semi-occultisme, qui est une histoire de presque de sexe, si vous relisez l'histoire de Jacob, une histoire de vol, de tromperie. Parfois je me suis dit, mais comment Dieu a pu choisir un homme pareil? Pourquoi? Et puis je me dis après, mais si tu as choisi toi, c'est qu'il peut aussi choisir Jacob. Parce que rien dans notre histoire ne rebute Dieu. Rien. Il n'y a pas un chaos qui soit assez profond, assez grand, que Dieu ne puisse pas agir au-dessus. Et ce jour-là, Dieu a accompagné Jacob dans son histoire trouble, dans son histoire où il s'est enrichi au détriment des autres, où, au nom de Dieu, parce qu'il était l'élu de Dieu, bah, il a fait n'importe quoi. Puis est arrivé le jour où ben, tout ça, il a dû le remettre. C'est ce jour où il a quitté Laban et il s'est retrouvé dans son histoire en face de Dieu au bord du torrent. Et là, c'est un combat qui s'est déclenché. Un combat physique, oui. Un combat intérieur, certainement. Un combat moral, oui. Un combat spirituel, un combat contre son caractère, contre ses maladies, contre sa mauvaise attitude, contre sa vérité. Oui. Et Dieu a lutté avec lui. Il y a eu de la résistance. Il ne voulait pas. Ce n'est pas facile de regarder son histoire en face. Surtout quand on veut vivre avec l'esprit. Et puis le Seigneur nous montre des faiblesses et parfois, ça, on a la difficulté à l'accepter. Qu'est-ce que j'ai vécu dans le temps? Et quand vous aurez un peu d'âge comme moi et d'autres, quand vous rappelez un peu l'histoire de votre vie, et puis vous voyez comme ça des pages aussi la nuit, c'était pas ça, c'était pas ça. Et pourtant, le Seigneur dit, il était là. Et ce jour-là, eh bien, Jacob, il a fait une extraordinaire expérience. C'est l'expérience de la bénédiction. L'expérience que rien ne pouvait l'empêcher d'être béni. Lorsqu'il avait vu Dieu descendre avec les anges de l'échelle, il avait fait un autel. Et sur cet autel, il avait versé de l'huile. On appelait ça une libation. Et cet autel de pierre, c'est son histoire. C'est les différentes facettes de son histoire. Et il a versé de l'huile dessus. Et il l'a oublié après. Parfois, nous avons fait des expériences extraordinaires avec Dieu. Et puis parfois, l'histoire de la vie fait qu'on les oublie. On les met de côté. On vit autre chose. Et pourtant, le Seigneur n'arrête pas de bénir. Et ce jour-là, là, au bord du torrent, eh bien, il lutte avec Dieu. Et Dieu veut le transformer. Et Dieu va le vaincre. Dieu va le briser physiquement et intérieurement. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu lui dira après, tu as été vainqueur. Tu es vainqueur quand tu te laisses briser. Tu n'es pas vainqueur quand tu gagnes et que tu brises les autres. La bénédiction, bien c'est une part de la vie de Dieu qui est posée sur notre vie. C'est une puissance d'amour, de consolation, de force qui vient nous renouveler et qui vient nous faire du bien. Et ce jour-là, il a été brisé et il a compris l'essentiel.
Laisse-moi aller, dit le Seigneur. Et Jacob lui dit, non, je ne te laisse pas aller. Ce qui me bouleverse, c'est que Dieu se laisse donner des ordres. Quand les ordres vont dans son sens. Seigneur, ce jour-là, il a compris, Jacob, qu'il ne voulait pas quelque chose pour se glorifier, mais qu'il voulait quelque chose dans sa misère pour entrer à nouveau dans le nouveau chemin. Et c'est là que Dieu lui a donné un autre nom. Tu ne seras plus Jacob, tu seras Israël. Ça ouvre l'histoire d'Israël, qui est aussi une drôle d'histoire, encore aujourd'hui. Eh bien, il a dit non, je ne te lâcherai pas. Frères et sœurs, je vous souhaite au début de cette année que vous priez cette prière tous les jours. Parce que c'est une prière du cœur de Dieu. Parce que Dieu ne veut pas nous lâcher sans nous bénir. Et ce jour-là, il va le bénir. Et le texte dit, et Dieu le bénit là. Pas là-bas ou là-bas ou là-bas. Là où il est. C'est là qu'il a béni à Saint-Nicolas. À 30 ans et puis encore depuis. C'est là qu'il a fait l'expérience parce qu'il était au bon endroit, dans la bonne attitude. Et quand il a reçu cette bénédiction, il a refait un autel. Et il l'a plus appelé Bethel. Bethel, ça veut dire la maison de Dieu. Il l'a appelé El Bethel. El, c'est Elohim. C'est le Dieu de la maison de Dieu, littéralement. Ce jour-là, brisé comme il est, il fait une nouvelle expérience de Dieu. Certains l'appelleront le baptême du Saint-Esprit. D'autres l'appelleront une onction. D'autres mettront un autre nom dessus, peu importe le nom. Ça n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est la réalité. Seigneur, je te connais. J'ai été béni, nous sommes bénis, mais nous avons besoin de remettre ton nom sur cette bénédiction. Quelle que soit mon histoire, quelle que soit ma situation de vie, c'est là que Dieu veut me bénir. El Bethel, il refait un autel, il remet de l'huile dessus. Une libation pour rappeler que Dieu nous permet de recommencer en permanence. Thomas nous a lu tout à l'heure le texte d'Ésaïe 61. Vous vous rappelez comment le texte y termine ? Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines. Ils relèveront d'antiques décombres. C'est le renouveau. Je peux toujours recommencer quand je me place sous la bénédiction de Dieu. Rien n'est trop grave que je ne puisse pas le faire. Pourquoi ? Eh bien parce que parallèlement à mon histoire qui est visitée tout à nouveau, eh bien il y a une autre histoire qui se passe. Et c'est là qu'elle se passe dans le cœur de Dieu. Dieu qui jette un regard sur l'histoire de ma vie et au lieu de condamner, il est ému de compassion et il dit j'ai envie de bénir. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui, quiconque, hein, ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et dans cette histoire qui est l'histoire de Dieu, dans cette histoire d'amour, dans ce regard d'amour du Père, qui voit l'histoire des hommes, les histoires difficiles des hommes. Et je pense que vous pouvez mettre la vôtre à la place, moi je mets la mienne, qu'elle soit belle ou difficile. Eh bien, il y a un regard, une promesse d'amour du Père sur elle. Mais il n'y a pas que ça. Pour Dieu, ça ne suffisait pas d'avoir un regard d'amour sur nos histoires. Il a dit, je vais rejoindre leur histoire. Et
Et la véritable bénédiction, c'est quand l'histoire de Dieu rejoint mon histoire. Quand Dieu accepte d'entrer dans ma pauvre histoire et de lui donner une nouvelle espérance, parce que c'est là qu'il veut bénir. C'est là qu'il veut faire du bien. Ésaïe 61 nous rappelle que pour que l'histoire de Dieu puisse rejoindre notre histoire, le Christ lui-même a dû être oint du Saint-Esprit. Car l'Éternel m'a oint, pourquoi ? Pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux. La bonne nouvelle, c'est Emmanuel, Dieu avec nous. C'est que la bonne nouvelle puisse nous rejoindre et que aucune facette de notre histoire puisse faire obstacle. Dieu est capable d'y entrer. Vous vous rappelez ce message que j'ai si souvent fait ici, où après la résurrection du Christ, ils étaient tous enfermés dans la chambre haute à Jérusalem. Ils avaient tous peur de la mort, d'être pris comme le Christ, d'être crucifié. Et quand Jésus a frappé à la porte, ils n'ont pas ouvert parce qu'ils avaient peur. Et Jésus qui a dit un jour, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un m'ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. » Il n'a pas forcé la porte. Mais il a passé par le mur. Et la première parole qu'il leur a dit à l'intérieur, c'est « La paix soit avec toi. » Trois fois. « La paix soit avec toi. » La paix soit sur ton histoire. Je suis prêt à la pardonner, je suis prêt à la renouveler, je suis prêt à te laisser, à nouveau me laisser la place pour que je sois le Dieu de la maison de ton Dieu, que je sois le Dieu du renouveau de ta vie, que je sois le Dieu de celui qui vit de l'esprit. Oui, pour annoncer de bonnes nouvelles aux malheureux, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Consolation, c'est le consolateur. Pour annoncer une année de grâce, oui, et puis une année de vengeance aussi contre ce qui n'est pas de Dieu. Toute cette onction pour laquelle nous prions, je sais que Stéphane aime beaucoup prier pour cela, il a encore fait ce soir, que l'onction élargisse nos cœurs pour que nous puissions, dans ce monde qui nous fait tellement peur, il y a de quoi avoir peur. Au niveau économique, social, au niveau du climat. Je pense souvent ces derniers jours aux gens du Pas-de-Calais qui sont inondés une fois, deux fois. Maintenant, il y a le froid qui vient. Et maintenant, le froid qui vient en Ukraine, ils n'ont pas de chauffage, n'ont rien. Des milliers de personnes qui vivent dans la misère. Ben oui, le consolateur, comment pouvons-nous faire s'il n'y a pas ce miracle de l'onction de l'amour de Dieu. L'histoire de Dieu est une histoire qui se renouvelle. C'est une histoire, dans le premier épître de Jean, au chapitre 2 et verset 20, il est dit que l'onction de l'Esprit donne la révélation. Seigneur, quel est ton plan pour ma vie, pour mon histoire? Je ne sais pas. Puis quand on se place devant la parole, dans la prière, dans la vérité aussi, il y a tout à coup des révélations qui viennent. Parce que la connaissance de la parole n'est pas seulement technique, c'est une révélation qui est donnée par l'onction de Dieu pour que je puisse vivre cette histoire. 30 ans de bénédiction, peut-être plus sur ma vie, qu'est-ce que j'en sais ? Et j'avais qu'une chose à redire ce soir. Dans 30 ans, on sera encore là. Peut-être pas nous. Mais l'œuvre de Dieu. Parce que l'œuvre de Dieu, elle va jusqu'au-delà de la mort. C'est celle qui relie l'éternité à la vie de cette terre. Et c'est pour la raison pour laquelle je n'ai pas besoin d'abandonner. Je peux avoir confiance. Et puis je peux recommencer. Parce que le Seigneur m'a permis de dire, je ne te laisserai pas.
avant que tu m'aies béni. Vous croyez qu'il veut vous bénir comme ça? Alors laissons-le entrer dans notre vie. Je vous invite à un petit moment de prière. Je vous invite à faire un peu de silence sur notre réalité, sur Saint-Nicolas aussi. Nous voulons poser devant toi, Seigneur, ce qui nous revient. Tout ce qui est beau, tout ce qui est moins beau, tout ce qui est difficile, tout ce qui est blessé, tout ce que nous n'avons pas réussi à assumer. Mais ton esprit est sur tout cela. Et ce soir, nous voulons te dire cette promesse. On ne va pas te lâcher, Seigneur. Nous voulons entrer dans ton plan pour être bénis. Par la foi, je te demande simplement de bénir tous mes frères et sœurs. Je te demande de bénir nos vies. Je te demande de bénir, de continuer à bénir Saint-Nicolas. Je te demande de bénir Stéphane, tout le conseil, tous les responsables, tous ceux qui sont engagés, tous ceux qui viennent pour se ressourcer. Que cette œuvre, Seigneur, soit un encouragement, une bénédiction pour toute l'Église, pour la ville, pour le monde. Parce qu'elle ne dépend pas de nous, elle dépend de toi et de ton histoire d'amour. Viens, Saint-Esprit, fais ton œuvre en nous. Nous t'en bénissons et nous te louons de tout notre cœur. Amen. Amen. Merci Kurt. Est-ce qu'il peut revenir? Pour prolonger la prière de Kurt, je vais vous inviter à faire un geste simple. Dire Seigneur, cette année, donne-moi l'attitude de Jacob qui a dit « Je ne te laisserai pas que tu ne m'aies béni ». Donne-moi d'être un, pardon pour l'expression, mais un pitbull de ta bénédiction. Vous savez, pitbull qui s'accroche à un truc, qui ne le lâche pas. Voilà Seigneur. Donne-moi la niaque, la détermination, le désir vif de m'accrocher à ta bénédiction. Pour ta gloire, pas de façon égoïste, mais pour que ton royaume avance dans ma vie, pour que ton onction fasse davantage ton œuvre dans ma vie, pour ta gloire, pour l'avancement de ton royaume. Alors je vous inviterai simplement à venir devant l'autel ici, à vous agenouiller et dire, voilà Seigneur, par ce geste, je fléchis les genoux dans l'attitude de celui qui veut recevoir la bénédiction. Vous savez, en hébreu, genou, c'est l'une des racines du mot bénédiction. Il faut se mettre à genoux humblement devant Dieu pour recevoir sa vie victorieuse et bénissante. On veut faire ce simple geste ce soir. Je vous invite à le faire si vous l'avez à cœur pendant le chant. Ceux qui nous ont précédés,
Et ceux qui nous suivront entonneront ce cantique à l'agneau. Ton nom est le plus grand, ton nom est tout puissant, ton nom est au-dessus de tout. Puissance, autorité, royaume et dignité, ton nom est au-dessus.
tu es saint, toi le roi des rois, tu es saint, Dieu d'éternité, tu es saint, à jamais tu es
Déclarons en ton nom, Seigneur Jésus, une année de grâce, une année de faveur, un affermissement de nos cœurs dans la confiance, dans la foi, un repositionnement dans l'espérance, un réenracinement et un refondement dans ton amour pour ta gloire, Jésus. Et en ton nom, nous voulons nous adresser maintenant au Père. Père, oui, tu nous rassembles dans la communion de ton Église et tu nous fais vivre par ton amour. Pour que ta paix rayonne au milieu de nous, pour que ton amour libère nos vies, pour que nous persévérions dans la foi, mets en nos cœurs le désir de ton royaume. Pour l'Église, que l'Esprit Saint la garde accueillante, pour les responsables des peuples, qu'ils aient la volonté de promouvoir la justice et la solidarité. Pour les malades, qu'ils rencontrent quelqu'un qui fasse route avec eux pour que tu les relèves toi-même. Pour celles et ceux qui nous ont demandé de prier pour eux et qui prient pour nous. Pour notre pays, nos villes et nos villages, afin que les chrétiens y soient témoins d'espérance et artisans de paix. Dieu notre Père, tu nous offres ton amour. Tu es béni pour les siècles des siècles, au nom de Jésus qui nous a appris à te dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Allez en paix dans la force du Seigneur, qui est celui qui relève et qui envoie. Merci encore à Kurt pour ce message. Merci à l'équipe de Louange, l'équipe de Thomas. Merci à Solveig pour la projection. Merci à Fabrice pour la sono. Merci à Pascal pour la vidéo. Merci surtout au Seigneur Jésus. Quelques annonces. Est-ce qu'on peut recueillir l'offrande pendant les annonces? Je peux avoir deux communautaires qui font passer les paniers. Merci. J'en profite encore une fois, je l'ai déjà fait dimanche dernier, mais encore une fois pour vous remercier, puisque une nouvelle fois, votre générosité, votre fidélité nous ont permis d'équilibrer nos comptes cette année. Un grand merci. Voilà, alors les annonces. Jeudi prochain, qui vient 11 janvier, temps de jeûne et prière, ici même de midi 15 à 13h15. Dimanche prochain, notre veillée de louange, ce sera en même temps la célébration d'ouverture de la semaine universelle de prière, qui est organisée par l'Entente des Églises évangéliques, et nous sommes heureux de nous joindre à eux pour ce temps. Et donc nous vivrons ce temps d'ouverture et de prière. Le thème de cette année, j'ai oublié, c'est autour de la mission. Je n'ai plus la formulation exacte, mais c'est comment ? Ensemble, poursuivons la mission. Voilà, un beau thème. Ensuite, ça bug ?
Alors, je vous dis pendant que Solveig essaye de rétablir, il y aura un culte commun pour Strasbourg Centre, qui est en même temps un culte universitaire à Saint-Paul le dimanche 14 janvier, le matin. Donc le matin à Saint-Paul et le soir, veillée de louange ici. Voilà. Oui, je vous mets aussi à cœur le week-end avec Rolf Schneider, week-end du 20 et 21 janvier, avec un séminaire de formation sur le cœur d'adorateur le samedi. Et puis Rolf conduira la veillée de louange et apportera le message le dimanche soir. Pour le reste, je laisse la parole à Thomas peut-être. Donc on fait toujours une collecte pour les maraudes. Ce soir, normalement, c'était le premier soir. Donc si certains ont ramené des boîtes à chaussures avec... Ils ont posé derrière. Voilà. Donc du coup, il faudra que je jette un œil. Et n'hésitez pas à venir me voir en tout cas si vous voulez me dire en fait ça m'intéresserait de parler avec vous, voilà, si vous voulez pour ceux qui ont donné, ça m'intéresse de parler avec vous pour parler des maraudes et que le contact soit fait, parce que c'est vrai que du coup ça a été déposé, je m'attendais à vous voir, voilà, et ça me plaît de pouvoir partager avec vous et vous remercier au passage. Merci du coup à ceux qui l'ont déjà fait. Et la semaine prochaine, on relance du coup pour ceux qui pourraient encore donner d'autres boîtes à chaussures avec des. Il y a un flyer en tout cas qui est. Voilà, il y a ce flyer. Enfin, il y a encore quelques flyers. Il faudra qu'on en retire peut-être, tu vois. Mais un bonnet chaud, une paire de chaussettes chaudes, un paire de gants, une écharpe et un mot d'encouragement que vous pouvez mettre dans cette boîte à chaussures. Et donc, on se réjouit pour ce temps de maraude un peu spécial, puisque c'est une maraude inter-église avec l'EPI et Trinity Church. D'ailleurs, je salue les frères et sœurs qui sont là, de l'EPI et de Trinity Church ce soir. Salut, merci d'être là. Ils font partie de cette équipe inter-église pour les maraudes, pour cette maraude spéciale où on invitera les gens de la rue à venir partager un goûter ici. Voilà. Ouais. Et donc, s'il y a des gens qui veulent venir pour le 27 janvier... qui sont disponibles soit une partie de la journée, soit même toute la journée avec nous, n'hésitez pas à venir me voir qu'on puisse organiser tout ça. Et rappelle juste le cadre horaire peut-être. Le cadre horaire dans la totalité c'est 11h 11h du matin à 19h, mais on peut s'engager sur des parties aussi, et n'hésitez pas à venir me voir pour préciser. Voilà cela. Et si vous n'avez pas à cœur d'aller dans la rue, vous pouvez faire autre chose. Voilà. Oui, il y a d'autres parts. On peut accueillir les gens, on peut rester ici, on peut prier. Il y aura aussi normalement de la louange. Voilà. Donc si vous voulez servir, n'hésitez pas à me venir me voir. C'est un samedi. Oui, il y a plein de flyers sur lesquels c'est indiqué. Merci. Je vous rappelle d'ailleurs que vous avez encore ces flyers-là. Il y a beaucoup de choses en janvier. C'est pour ça qu'on a fait un flyer spécial rencontre de janvier à Saint-Nicolas. C'est un récapitulatif. N'hésitez pas à vous servir. Et si vous ne pouvez pas venir, mais que vous pouvez prier pour les maraudes en général, priez pour nous. On a besoin de votre bénédiction. Voilà, et de la prière. Merci. Voilà, je vais laisser quand même. Oui, j'ai failli vous oublier. Je laisse la parole à l'association L'Avenir, c'est nous. On connaît maintenant pas mal à Saint-Nicolas. Bonjour. Alors, je ne sais pas si vous avez vu avant, mais il y a des petites galettes des rois qui vous attendent à la fin du culte, si vous voulez encore poursuivre ce temps de convivialité. Donc, alors, il y a plein de goûts différents, vous verrez. Elles ne sont pas toutes à la frangipane. En fait, ces galettes, on les vend, et on les vend pour l'association L'Avenir, c'est nous. Alors, je sais qu'on vous a déjà parlé souvent de L'Avenir, c'est nous à Saint-Nicolas. C'est une association humanitaire chrétienne qui a à cœur de parrainer des enfants au Burundi et dans les pays du Grand Lac. En Afrique, oui, c'est près du Rwanda, pour ceux qui ne savent pas où est le Burundi. Et on continue de faire des actions. Lydie a fait un petit voyage là au printemps pour un peu voir sur place. Et m'étendre, en fait, je sais qu'il est tard, peut-être que vous voulez rentrer rapidement, mais c'est vrai qu'on a rencontré des personnalités au pays pour justement mettre en place concrètement notre action, pouvoir commencer, on a déjà fait des contacts, on a commencé
à créer des contacts là-bas, nouer des relations, donc les choses avancent très bien. Donc, je ne sais pas si vous êtes un peu au courant, si vous avez suivi un peu notre lettre de nouvelles. Donc ça avance bien, elle est, cette vente permet de continuer notre œuvre cette année 2024. Donc si vous avez un peu le temps, un peu de monnaie, ce serait bienvenu. Merci. Voilà, donc après la veillée pour les galettes, c'est là. Et n'hésitez pas, si vous ne recevez pas encore la lettre de nouvelles de l'avenir, c'est nous, n'hésitez pas à leur demander, à leur donner votre mail. Voilà. Eh bien, je vous invite encore à vous lever pour recevoir encore une fois, au cas où vous n'auriez pas été encore assez béni, la bénédiction de la part du Seigneur. Voilà, une couche supplémentaire. Sœurs et frères, que le Dieu de bonté, de miséricorde et de paix soit et demeure avec vous. Qu'il déploie la toute-puissance de ses bienfaits au cœur de votre cœur pour sa gloire. Dans le nom de Jésus. Amen. Grâce incomparable. Qui brise le pouvoir du mal de la mort, qui aime d'un amour si puissant, si fort. Le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui secoue la terre par un saint tonnerre, qui nous émerveille par tant de misère. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Quelle grâce incomparable. Change les orphelins en fils et en filles. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois. Qui règne sur les peuples dans la vérité, mais comme le soleil de tout son éclat. C'est le roi de gloire, il est le roi des rois.
Bonne fin de soirée, bonne semaine, à bientôt et n'oublie pas de passer par la table de l'avenir, c'est nous avant de partir.